So Diafra, great to see you back in the team and back with scoring as well. How much did you enjoy that feeling of scoring the goal? Je me sens toujours mieux de marquer ici parce que c'est mon objectif quand je suis arrivé à West Ham, c'est pour aider l'équipe à marquer autant de buts. Après, aujourd'hui, c'était un jour spécial pour moi et parce que je voulais revenir parce qu'il y a ma cousine qui est décédée samedi dernier. Alors, je voulais faire hommage à elle pour au moins, même si là, j'étais pas à l'enterrement, mais comme pour essayer de montrer à tout le monde le soutien que j'avais avec elle. For you personally, to keep on your form going from before the injury by scoring in your first game back, how important was that? Pour un attaquant, c'est toujours important de marquer un but. Mais moi, aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est l'équipe. Comme si je peux aider l'équipe à gagner autant de buts, je vais essayer de le faire quoi, le maximum que je peux. And for the team, we came from behind today for the second match in a row to show that spirit again and up to third in the league. How's everyone feeling in the dressing room after that? Oui, c'est très important de nous faire respecter chez nous. Parce que d'autant plus qu'on sait que l'objectif du club aujourd'hui c'est de gagner, mais avec la manière de domicile. Aujourd'hui, je pense que on doit montrer à tous ceux qui viennent ici que ici c'est pas facile de prendre même un point. Andy Carroll scored two goals today and had a hand in your one. How much did you enjoy playing with him up front? Oui, ça fait toujours plaisir de jouer contre un grand. Alors qu'avant je le regardais à la télé comme tous les jours. Aujourd'hui, de jouer avec eux, ça me rend beaucoup plus fier et aussi ça me donne envie de me donner encore beaucoup plus pour aider tout le monde. And just finally, the next two games, Sunderland and Leicester City, we're third in the league. Is that a chance for us to really cement ourselves in the top part of the table? Oui, c'est notre place puisqu'on l'a pas volé. On a travaillé pour être là, mais maintenant on sait que c'est pas acquis. Pour rester là, il faut encore travailler beaucoup plus que les autres. Parce qu'eux aussi ils vont venir ici en se disant où nous on va aller jouer à l'extérieur. Ils vont se dire on est troisième ou on est quatrième, on est cinquième. Ils vont essayer de nous battre. C'est à nous maintenant de nous faire respecter.